Coucou tout le monde. Moi, petit mot par rapport aux réseaux sociaux en ce moment. J'y vais plus trop. Enfin, plus trop. J'essaie un petit peu de passer rapidement certaines choses parce que en fait, j'ai l'impression que ça part complètement en sucette, quoi. J'ai l'impression, mais déjà, ça date pas d'il y a peu de temps. Mais il y a peu de temps, depuis quelques jours, là, je trouve que c'est particulièrement accentué. Mais je trouve que depuis quelques semaines, quelques mois, on voit vraiment de tout passer sur les réseaux. Et il y a des choses qui peuvent faire mal au cœur des fois. Et là, en l'occurrence, j'ai allumé mon téléphone ce matin, je me suis dit, mais ça part en cacahuète, ça part complètement en sucette. Ouais. En plus de ça, j'ai pas forcément le moral en ce moment, j'ai un peu le moral dans les baskets parce que bah, mon chéri me manque pour d'autres petites raisons. Je suis très up and down par contre, hein. C'est-à-dire que autant je peux aller bien mal là, et autant dans 2 heures, je vais bien, c'est trop bien. Allez, moi je vais essayer de faire passer le temps aujourd'hui puisque bah, Jules n'est pas là, Thiago n'est pas là, Thiago est à la gym avec ma maman, Angelina dort. Je suis toute seule et du coup je pense que je vais me chouchouter, voilà, je vais prendre soin de moi là. Je devrais ne pas être à la maison normalement. Si j'étais raisonnable, je devrais être dans plein d'endroits parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à acheter, j'ai plein de choses à prendre soin de moi là ces prochains jours. Il me manque plein de choses pour ces prochains jours et j'ai pas eu le courage de sortir aujourd'hui. Peut-être que je sortirai plus tard, heureusement les malls ferment tard ici. Mais honnêtement, je suis réveillée avec l'envie non pas de rien faire parce que j'ai géré des trucs un peu paperasse et tout, relou. Banque, virement, avocat, enfin un truc à la con. Mais voilà, je suis pas censée être là normalement. Normalement, je suis censée me bouger les fesses et prendre soin de moi un maximum ces prochains jours. Donc là, je vais quand même pas me laisser aller et je vais prendre soin de moi à la maison. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment je regarde tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux. Waouh, vraiment, pour le coup, waouh. Sur la vie de ma mère, on est vraiment dans un monde qui se barre en couille, mais complet. Je sais même plus quoi penser. Je sais même ce qui est vrai et faux sur ces réseaux sociaux. Je ressens une haine juste incroyable en fait. Et je vous jure, ça me choque. Voilà que ça me choque de ouf. Parce que enfin, comment on en est arrivé à là en fait? Il y a certains trucs sur lesquels on peut pas jouer. Il y a certains trucs sur lesquels que t'aimes ou que t'aimes pas la personne. Vous ne pouvez pas rigoler avec. Y a certaines choses qui sont dites sur lesquelles bah, ça a des conséquences graves parce que même si le jour où vous voulez revenir sur vos paroles parce qu'en fait ça s'est avéré que vous avez parlé pour rien ou vous avez inventé des dévis aux gens ou vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que ça a pris une ampleur incroyable. Je sais même pas, mais moi en ce moment, je vous jure sur les réseaux, genre je regarde ça comme as. Parce que frérot, le monde me fait flipper. Les gens me font flipper, frère. Parce que voilà, je sais même pas quoi. Entre les gens qui se mettent en faux couple, entre les gens qui essayent de colporter des rumeurs. Entre les gens qui font des choses inacceptables, entre des gens qui parlent de sujets alors que ce sont des sujets très sensibles et que c'est pas des jeux, je vous jure, tout le monde, ce monde-là est en train de se perdre de ouf en fait. On passe d'un truc où tout le monde avant faisait sa vie, essayait de vous rendre heureux à travers leur snap, les gens essayaient de vous faire découvrir des autres mondes, d'essayer de vous faire découvrir d'autres saveurs. J'ai l'impression que maintenant, les réseaux, c'est devenu le tribunal. La dernière parole tourne. À qui demain on va attendre? Non, mais en fait, les rebondissements, les trucs, je vous jure, des fois, vous en rigolez de loin. Des fois, ça en rigole de loin. Des fois, bah, on se dit, c'est pas possible. Waouh, non mais je vous jure comment l'être humain aime les
plein guingain. Moi, j'ai plus de force. La vie de ma mère, que j'ai plus de force. Je vous jure que j'aimerais tellement retourner à l'époque du 33-10, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où tout le monde kiffait sa life, où ouais, il y avait ces histoires-là, mais c'était... Enfin, il y avait des onji, il y avait des trucs, il y avait des... Mais, waouh. C'est, ouais, ça fait peur. Alors, les soi-disant personnes qui font genre j'ai décidé d'arrêter la télé-réalité de moi-même parce que c'est un milieu très malsain. Arrête de mentir, cousine. Voilà. Et moi, les gens, ça m'exaspère. Vraiment, pour le coup, parce que le trois quarts du temps, c'est trop drôle. Les gens ne sont pas rappelés pour faire des programmes télé. Et de là, bizarrement, ce qu'ils ont fait dans leur vie ou auparavant, ça les a choqués et ils ont décidé d'arrêter. Tu mens. Voilà que tu mens. C'est juste que tu es un personnage pas intéressant et que, frère, c'est de la télé-réalité. Donc, il y a de la télé, c'est un métier, et il y a de la réalité. C'est comme si, en fait, un acteur... Il lit un scénario, c'est un acteur, hein. Il sait qu'il va acter, il va faire de l'acting, d'accord, sur une scène de dame. Donc un acteur, il va lire le scénario, il va lire le script, vous êtes bien d'accord avec moi jusqu'à présent. Le mec, il doit faire, ou la meuf, elle doit faire une scène d'amour, allez, dans le taxi, baiser langoureux, de cinéma, ceci, cela. La personne, elle le fait, elle tourne le film. D'accord, vous me suivez jusqu'à là. La personne, elle tourne le film, elle fait la scène, elle a lu le scénario, elle a signé le contrat, elle fait la scène. Quelques années plus tard, elle voit qu'elle n'est pas rappelée pour faire un autre film. Elle dit quoi? Oh non, mais le monde des films, c'est n'importe quoi. On m'a forcé à faire une scène, à embrasser quelqu'un. Mais frérot, mais dans quel monde vous vivez en fait? Dans quel monde vous vivez? C'est trop marrant, ces candidats qui vont faire, par exemple, les princes et les princesses. Je parle... et qui derrière dit, ouais, on m'a dit, essaye d'être romantique avec tes prétendants. Mes cousines, tes princesses, intéressant. Bref, arrêtez de vouloir... moi, je veux juste parler à certains candidats. Arrêtez de cracher dans la soupe, la vie de ma mère. Arrêtez de cracher dans la soupe parce que je vous jure, quand on vous a contacté et que vous avez fait rentrer un billet sur des programmes télé, venez pas dire que ça force à faire des trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment donné, on n'est pas des monstres. À un moment donné, je vous jure, vous savez très bien, il y a certaines personnes, elles sont prises pour leur beauté. Moi, quand je suis venue dans la télé-réalité, j'étais une segro, d'accord? Moi, je suis venue, je rigolais, j'ai fait exploser des vérités. Je me suis pris la tête avec certaines personnes parce que ça n'allait pas, parce qu'on ne se saquait pas. Mes frères, vous savez pourquoi? Je vais vous dire tout simplement. Il y a certaines prods, elles vont venir voir. Ouais, aujourd'hui, est-ce que vous allez vous embrasser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous embrasser? Par exemple, c'est un truc con. Quand on est dans un programme de télé-réalité et que vous êtes, par exemple, en couple ou vous êtes en bise avec quelqu'un, d'accord, donc on est bien jusqu'à là, on se suit tous bien, les productions suivent votre histoire, d'accord. Maintenant, je vous dis, il y a certains candidats, ils créent leur propre programme dans leur tête, d'accord. Ils sont sur déjà eux-mêmes un programme, hein, mais ils se créent un autre programme dans leur tête. Ils essayent de faire des mises en scène, ils essayent de créer, ils essayent de s'en sortir, ils essayent de vous faire du contenu pour que le divertissement, demain, quand il sort à l'écran, ça vous intéresse. D'accord? La personne, elle se met en bise-bise avec quelqu'un. Donc, normal, la prod vient demander ça se passe comment? Est-ce que vous allez vous embrasser un jour, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gros mythos. Il y a des gens, ils font crari, ils sont en couple, mais ils font galérer pour rester dans le programme. Il faut galérer pour rester dans le programme. Parce qu'ils savent que la prod, ils veulent une histoire d'amour belle gosse, qu'ils veulent quelque chose de sincère, ceci, cela. Donc c'est normal que la prod, à un moment donné, elle vient de voir, elle te dit quoi? Il serait temps de faire un bisou, en fait. Si t'es sincère, si la personne te plaît, il serait temps que tu passes le cap supérieur et que t'embrasses la personne.
Mais en aucun cas, ils vont vous dire, eh, va dormir avec. Vous êtes des oufs. Parce que faut pas oublier, derrière, il y a le CSA. Donc le CSA, c'est la police de la télé qui n'accepte pas certaines choses. Là, on est à la recherche d'histoires d'amour mignonnes, ceci, cela. Donc faut arrêter. Maintenant, je dis pas le contraire. Hein. En télé-réalité, il y a des mecs, c'est des gros bâtards et ils jouent avec des meufs. Mais c'est, en fait, ils sont pris pour ça. Pas avoir d'âme et que c'est des coureurs de jupons, ils changent de meuf comme s'ils changeaient de slip. Mais voilà. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, les gens, pour le monde de la télé-réalité, déjà on n'est pas autant des monstres que ça. C'est de la. J'ai entendu quoi ? Télé-prostitution visuelle. C'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave de dire ça. On passe d'un truc de divertissement, de romantisme, quelque chose qui à la base était mignon, où maintenant, limite, on en parle comme si, waouh, genre c'était une dinguerie en fait. Donc non, en fait, je vous le dis, voilà, concentrez-vous les amis, voilà, concentrez-vous, parce que ces personnes-là. Elles en ont fait de la télé et elles en ont refait. T'as vu? Donc, bah aujourd'hui, je parle pour en témoigner. Vas-y, voilà. Témoigner de quoi? Témoigner de quoi, frère? Témoigner du fait que t'as fait que de la merde et qu'aujourd'hui, ton seul moyen de faire parler de toi, c'est de cracher là où t'as pris de l'oseille. Moi, je comprends pas, voilà. Voilà, je comprends pas. Frère, je suis une femme et demain. Si j'entends le quart des choses là qui se racontent, par exemple en casting ou je sais pas quoi, mais la vie de ma mère que je te regarde, je te dis fonce dans le mur. Eh, jamais de ma vie. Pour de l'oseille, je ferai ça ou ça ou ça. Et fin, et j'en fais pas. D'accord? Donc arrêtez d'accepter et derrière dire ah, on m'a dit de faire ça et on m'a dit gnangangang. Parce que la vie de ma mère, en plus, vous salissez tout le monde avec vous, genre, l'air de dire. Comme si nous on acceptait ça. Genre les gens qui en font. Vous avez pété les plombs quoi. Eh voilà, vous avez pété les plombs. Bref, c'était un peu mon coup de gueule parce que. Pour mettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà, c'était pour le sujet de télé-réalité, pas télé-réalité. Ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on nous dit pas faire, ceci, cela. Voilà, tout simplement. Donc quand vous êtes acteur de votre propre vie. Ne mettez pas la faute sur les autres une fois que vous avez fait que de la merde. Je dis juste ça. Hein. Et que surtout, n'attrapez pas le seum si vous n'arrivez pas à péter, frère. Voilà. C'est, faut dire, c'est chaud quand même. Voilà, c'est chaud. Après, au sujet de l'histoire de, comment ça s'appelle, de Ilan. Eh les gars, je vais vous dire un truc. J'ai fait aucune étude de procureur, moi, personnellement. J'ai pas vu cette vidéo. Je sais pas ce qui se passe. Si vous êtes des victimes, et là, je parle en généralité, je parle même pas de cette histoire. Eh, les amis, allez au Comico et vraiment, ne vous laissez pas faire parce que c'est une dinguerie quand on parle de viol. Il faut prendre conscience qu'un viol, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et que, vous, en fait, vous devez pas vous en vouloir ou quoi que ce soit. Et là, je parle aux victimes. Vraiment, force à vous, on est ensemble. Et là, je dis pas que l'autre, là, il l'a fait ou il l'a pas fait, nanana. J'en sais rien de l'histoire. Arrêtez de faire... voilà. J'ai pas fait juriste, moi, dans ma vie. Et vraiment. Et on saura jamais le fin mot de l'histoire. Dans ma vie, j'ai l'impression que vous avez pas conscience des choses. Mais, voilà, vous parlez des sujets. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, c'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, si c'est vrai, c'est une dinguerie, il va le payer au niveau de la justice. Si c'est pas vrai, voilà, les gens, vous avez affiché une famille, vous avez affiché un mec sans même savoir le mot de la fin. Enfin, pour vous dire, hein, c'est. Voilà, les réseaux, ça n'a pas de pitié. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc, bref, évitez de faire votre justice tout seul. Évitez de sortir des choses 4 ans après. Alors vous le savez, Zarma, ouais, je peux plus me regarder dans le miroir. Cousine, va au commissariat, t'as vu? Parce que là, c'est très très grave. Parce que
j'ai envie de te dire, tu es au même niveau que la personne qui aurait fait ça. Enfin, voilà quoi. Bref, tout ça pour vous dire, voilà mon de fou. Oh, les réseaux là. Vous êtes dans un monde de fou, voilà. Vous êtes dans un monde de fou. La vie de ma mère, revenez les pieds sur terre. Hein, kiffez votre vie. Sur la. Oh, je suis choquée là. Après, je dis pas, hein, mais. Les meufs, voilà, vous êtes là. Vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez. Derrière, quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Et va. Je peux mourir. Et c'est pareil hein, pour les mecs de télé là. Quand vous allez, que vous avez des petites qui vous kiffent, évitez de dire ouais, voilà, il y en a pour de vrai, ils utilisent ça. Il y en a, ils utilisent ça. Ouais, vas-y, je peux te faire rentrer en casting et tout. Mais poto, tu t'es pris pour qui? Voilà. Et ça, c'est des choses qui existent et qui malheureusement, bah. C'est le bâtard de l'homme en... Voilà, c'est comme les mecs qui vont jouer sur le fait de... Ouais, je te trouve trop jolie, il va venir brancher, ceci, cela. Une fois qu'il arrive à ses fins, bah, tu vois qu'il n'y a pas de suite. Hein. Les mecs, ils sont tous comme ça, en fait. Ils sont tous comme ça. Il va te sortir monde et merveilles. Il va te sortir, ouais, je vais te marier, carrément. Il va te donner de faux espoirs. Voilà, j'appelle ça du faux espoir pour parvenir à ses fins. Et les amis, voilà, c'est à vous de ne pas être débile. Mais quand on dit non, c'est non. Il ne faut pas faire de forcing. Parce que là, ça devient quelque chose qui est très grave. D'accord? Bref. Faites attention à vous, les amis. Les meufs, protégez-vous. Les filles, voilà. Vous donnez pas à n'importe qui et arrêtez de croire les belles paroles. Bref.